Messieurs, dames et frères accès compatriotes, bonjour pour nous tous. Jeudi, c'est mercredi 6 et mars. C'est un immense et réel plaisir pour nous capables, ensemble avec nous, dans le micro, voilà Kaila, et pour informer sur toute nouvelle qui a dominé l'actualité. PM de facto Ariel Henry a monté un calvaire. C'est pas des humiliations Ariel Henry a recevoir. Et dans mes plusieurs petits pays et qui dit que ses amis Haïti, même gens avec les États-Unis, OREA, et bien ils ont viré d'eau by Ariel Henry. Et bien Ariel Henry est depuis lundi, après que les États-Unis, autorités américaines, ont by Ariel, yo ultimatum et 48 heures de temps. Ça veut dire deux jours, ils ont by Ariel Henry pour être capable de rentrer en Haïti. Et même côté A, yo interdit, quel que soit avion ou te mettre privé, commercial, quel que soit avion, yo interdit avion yo pou yo pote Ariel Henry. Ça veut dire, nous pas connaissons si c'est sous pied Ariel Henry, yo mande pour le venir en Haïti. Mais yo dit, dégagez le coup, mettre Jean-Jacques, depuis Ariel quitte réunion qui pourra le faire jeudi dans l'ONU, depuis le fait Ariel Henry pas entré dans le pays, eh bien c'est une question de DDN. Déonnet, même Jean Pep Haïtien dit Ariel Henry déonnet, et bien c'est même chanson ça, c'est même slogan ça que communauté internationale a gagné pour Ariel Henry. J'en dis nous, et gagné même Conseil Sécurité Nations Unies, et bien vous pourrez le réunir jeudi, mercredi qui 6 mars là, et bien sous situation et pays d'Haïti côté gang Améo, et bien c'est eux-mêmes qui gagnent contrôle capital pays d'Haïti depuis et 29 février et passé. Dans le coup de ça, yo poil et aborder plusieurs prêts. Yo poil aborder et jeudi à même Conseil de sécurité yo, et bien yo critiqué Ariel Henry parce que le pas qu'à joindre un accord politique avec et parti politique pour est capable organiser élection dans pays et nous connaît ça pas intéressé Ariel Henry. C'est Tigon Moun ça, c'est seulement menti que le bail m'a demandé est-ce que famille Tigon Moun ça fier de lui, même ou pas qu'à grand monde et pour gagner et 73 ans pour pas gagner parole, et bien c'est où les monde et dans farine. Et bien, communauté internationale a critiqué Tigon Moun ça parce que monsieur pas fait rien pour le capable organiser élection dans pays. Dans rencontre qui pral fait jodi a, et bien responsable uni yo, nous connaissons tout, yo gen pour dans ça qui a passé dans pays, mais yo pral fait une intervention maintenant et rencontre ça pas gagner une autorité haïtienne qui pral la donne. Et bien nous tout nous songe qui ça passé, qui honte, qui déception Ariel Henry prend en République Dominicaine. Hier m'a dit, côté bien avant que avion que t'as venir ensemble avec Ariel Henry, y aurait les IDAC. IDAC c'est une institution qui est responsable aviation en République Dominicaine. Côté au Tébay au permis, on dit oui, y a mettre venir avion, mettre venir, il a atterri dans pays ce domaine. Mais les avions arrivés pour le descendre, eh bien laisse ça semble, c'est laisse ça contacter ensemble avec autorité centrale ou du moins présidence et la République Dominicaine. Eh bien, c'est là ça, eh bien, calvaire Ariel Henry, si vous n'êtes quand même mourir en l'air, parce que yon avion qui sortit aux États-Unis pour le descendre, l'aile descendre, faut faire service là-dedans. Eh bien, Ariel Henry durait plusieurs heures de temps à voler en l'air, pendant que il a fait manœuvre, il dit, il a cherché information, bagay, et puis c'est juste après, eh bien, il dit, Ariel pas descendre ce domaine. Catégoriquement, il dit, le pape descendre ce domaine, eh bien, c'est en urgence, Ariel Henry a atterri. Et San Juan, côté où fait un atterrissage et forcé San Juan de Puerto Rico, hier m'a dit, côté et espoir Ariel Henry pour être capable de joindre le pays d'Haïti, il vient diminuer, pas oublier ces 48 heures de temps que te Ariel Henry cap fini. Et je dis, et mais selon information, tout vol sous Haïti interdit. Tout vol qui cap vient en Haïti, yo interdit pour être capable de porter Ariel Henry. Et bien, premier ministre de facto, il trouve le. Et Porto Rico, l'étape gardé comment pour le s'il a rentré Jamaïque et de Jamaïque pour le prendre en main dans un petit bateau pour le s'il était capable d'atterrir au Caï. C'est ça, c'est intention ça que Ariel Henry gagne parce que faut qu'il rentre en Haïti obligatoirement. Et je dis, bon, dis-nous, il y a une dernière information qui fait que sorti là. Côté autorité américaine, avec CARICOM, il a lâché Ariel Henry.
C'est parce que Ariel Henry font bagaille là qui fait les États-Unis virer do Bali. Allez nous Ariel Henry aller au pays Kenya là signer et accord pour force militaire entrer dans pays d'Haïti, c'est pas ça qui était programmé. Mais signature ça t'a supposé faite dans Conseil de sécurité, c'est là t'a supposé faite en présence les États-Unis, mais Ariel Henry passé en bas ensemble avec un responsable dans pays Angleterre, yo allez y a le signer quoi là c'est ouais les États-Unis ouais Ariel Henry signer à quoi ça, et bien ça vient lever plume sous dos les États-Unis, sous dos américains, yo viré dos by Ariel Henry et tout pays qui allié et États-Unis ferme porte pour et Ariel Henry. Eh bien, Ariel Henry, yo lâché monsieur, c'est ça que Miami et Rad lui-même lui conformé. Selon sa journal la fait qu'on est jeudi, mercredi, tout dirigeant CARICOM yo, et mais yo pral mandé pour Ariel Henry démissionner et pour annoncer yon nouveau gouvernement. Pour qui ça pour l'annoncer un nouveau gouvernement? Ariel Henry pas en rien. S'il pas en rien, il pas qu'à annoncer un nouveau gouvernement. Ariel Henry doit démissionner et puis prendre bas. Et mais yo pral mandé jodi a pour Ariel Henry démissionner pour annoncer un nouveau gouvernement. Les États-Unis et côté pal, yo déjà mandé pour Ariel Henry retirer col et non pouvoir. États-Unis mandé le retirer col là, nous pas besoin encore ou pas utile non encore parce que bon nous yo coup de couteau et dans dos. C'est ça. Et que yo pral mande Ariel Henry parce que yo gen pou yo capable, c'est non vidéo. Yo pral fè Ariel Henry enregistrer yon vidéo jodi a. Pas oublier que Conseil Sécurité Nations Unies pral réuni jodi a, yo pral fè enregistrer yon vidéo pour annoncer et démission. C'est ça qui programmé pour journée et jodi a côté me dit nous et bien et Conseil Sécurité Nations Unies et bien yo pral réuni sous son Haïti. Et mais les Ariel Henry atterri et fait atterri sa force c'est ça et dans San Juan Puerto Rico dans espoir pour voir s'il était capable venir en Haïti. Et c'est ça qui de côté tout vol interdit par un vol cap rentrer dans pays d'Haïti. Premier ministre de facto a trouvé le San Juan Puerto Rico côté livré et passer par l'autre pays pour capable rentrer en Haïti. En effet, par une assurance, par un vol cap vini en Haïti capoté et Ariel Henry. Et bien le tout ça est arrivé Puerto Rico, et bien Ariel Henry était escorté et par USC Custom et pardon, les Ariel Henry rivé et Puerto Rico, et bien d'après ça Sheila Angelo Mika qui c'est porte-parole gouvernement et Puerto Rico a, eh bien c'est autorité yo qui te vinn prend Ariel Henry. Jean que n'a regardé dans image et que moi présenté non là, c'est autorité fédérale qui te vinn escorter Ariel Henry qui pas bay trop effort, qui pas bay trop détail sur rivel. Selon sa information disponible, vol et Puerto Rico avec Haïti yo interdit. Jusqu'à présent, jusqu'à nouvel ordre, vol Puerto Rico Haïti est interdit, ça veut dire tigomounan nan problème. Nan moment que n'a parlé la personne pas connaît côté premier ministre et de facto lui-même lié et qui voyage dans un pays à l'autre pays, c'est quoi? C'est on tout là les tout. C'est aller là et puis personne moun pa vle et menel et nan et pays d'Haïti. Même Conseil sécurité l'ONU yo, eh bien, j'aime te dire pas réuni jeudi à jeudi et mercredi 6 mars là sous situation et pays d'Haïti côté ces gangs et cap dirigé et c'est là sort Ariel Henry, eh bien, il a pas tirer le sort. En même temps, et gagne pays Kenya lui même qui voulait et faire l'argent et sous pays a, eh bien gagne président William Ruto, eh bien qui fait connait que Kenya prêt pour capable voyer troupes li en Haïti dans prochaine et 72 heures. C'est depuis hier et que William Ruto te fait et déclaration ça que dans 72 heures de temps qui est égal à 3 jours, eh bien il prêt pour contingent militaire capable rentrer en Haïti. Mais il fait annonce hier, William Ruto fait annonce côté le préciser. Si yo pas déposé l'argent pour lui, si yo pas fait premier versement, premier tranche et vers l'argent pour capable financer, eh bien et troupe yo pas venir encore.
Il dit, il est prêt pour être capable de rentrer en Haïti dans 72 heures de temps, mais il faut qu'il verse première tranche cobla qui est évaluée à 230 millions de dollars américains. Tout autant cobla, pas trouver le sous-compte parce que c'est l'argent, c'est business que l'a fait. Pas penser que c'est parce que Negla remet Haïti, bien que l'élite n'a rencontré ensemble avec Tigran Mounan, il te dit, oh, et Kenya, et gagner point commun avec Haïti, m'a pas contre qui côté, qui bataille Kenya fait, tout connaît pays d'Haïti, c'est maman liberté, et Kenya, qui ça le fait dans le monde, qui histoire Kenya pour hasarder, pour président hasarder, il dit que et Kenya gagne point commun ensemble avec Haïti. Peut-être semble c'est pour couleur, comme eux même c'est noir, haïtien c'est noir. Peut-être c'est là que et gain point commun. Et bien et président dit tout autant, yo prêt pour venir en Haïti, mais faut yo déposer 230 millions de dollars américains et bien pour troupes et pour soldats Kenya yo est capable rentrer en Haïti. Pas oublier c'est 1000 et soldats ou du moins policiers que Kenya lui-même l'a préparé pour rentrer en Haïti pour yo capable venir faire l'argent. Moi content qu'aime temps ça avec nous, restez connecté, n'a pas tourner dans n'importe occasion pour nous capable continuer informer.